Au gré de la Loire, sur une touffe sablière, EELV et Nouvelle Donne n'ont pas choisi ce lieu par hasard pour présenter leur programme pour les élections régionales. Bon, ici, on a la chance d'être sur la Loire à vélo qui passe et qui est un formidable vecteur de développement touristique et de développement local. Donc l'intensification de la Loire à vélo et son extension au Cher et à l'Indre. Loin des divisions qui ont récemment émaillé l'actualité d'Europe Écologie Les Verts, le parti tente un retour aux fondamentaux pour rassurer ses électeurs. La première, c'est la question de la transition écologique de notre économie. Si nous ne transformons pas nos activités économiques, si nous ne faisons pas évoluer notre modèle économique, nous allons dans le mur. La deuxième transition, c'est une transition sociale, c'est-à-dire que nous avons des enjeux d'égalité extrêmement importants dans notre région, comme dans d'autres régions, des enjeux d'égalité entre les territoires, des enjeux d'égalité entre les citoyens, avec un niveau de pauvreté important, avec des inégalités qui se creusent. Je pense par exemple aux jeunes. 20% des jeunes vivent en deçà du seuil de pauvreté dans notre région. C'est tout à fait inacceptable. Crédité de 4% d'intention de vote dans les derniers sondages, les Verts vont devoir convaincre s'ils veulent être présents au second tour de ces élections régionales.